Bonjour, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. Nous sommes cette fois-ci chez BMW. Voilà donc la revue en détail de cette BMW R1200 GS Rally. Donc, comme on vous le disait dans l'introduction, les coloris fétiches à l'équipe course et compétition de BMW Motorrad. Donc le bleu, blanc et rouge. D'ailleurs, cette version hérite d'un châssis, comme vous le voyez, complètement teint de rouge. Alors, pour cette version, vous avez évidemment cette selle noire, grise et blanche, avec les coutures rouges, évidemment. Un échappement chrome que nous allons voir directement de l'autre côté. Un tableau de bord qui comprend cette fois-ci l'ordinateur de bord. L'ESA, donc les suspensions assistées par ordinateur, ainsi que les poignées chauffantes. Adieu aussi donc les jantes à bâton, pour ici des jantes à rayons croisés, comme vous pouvez le remarquer. Donc l'échappement chromé, on vous en avait parlé. Ici, elle est équipée en option des valises. Les supports valises, eux, sont compris dans la version GS Rally. Autre option sur cette moto, ben forcément le GPS BMW Motorrad Navigator 4. Vraiment bien pensé et utilisable avec des gants, peu importe la météo. Un outil qui est vraiment pensé pour les baroudeurs ou pour ceux qui veulent vraiment bouger beaucoup. Très pratique à utiliser, même sans casque Bluetooth, on peut franchement se contenter de l'écran, il est bien passé. Il cache un petit peu la vue du contour, mais malgré tout, dans l'ensemble, ça reste très intéressant. Donc comme vous pouvez le voir ici au commodo gauche, vous avez l'ABS, l'anti-patinage, qui eux font partie du pack safety, auquel se rajoute le RDC, donc le contrôle de la pression des pneus. Simplement avec le bouton info ici au commodo gauche, vous avez la mention de la pression de vos pneus ainsi qu'une alerte au cas où vous seriez trop bas. Protège-main également compris dans cette version GS Rally. L'autre option, c'est simplement ces clignotants blancs à LED. Le tableau de bord classique de BMW pour cette GS. Alors on retrouve forcément côté suspension le système cher à BMW. Donc ici un télélever avec une fourche, malgré tout des fourreaux de 41 mm qui, aidés de l'ESA, font vraiment merveille, que ce soit sur ce type de chemin ou également sur autoroute si vous choisissez le mode confort, et encore plus si vous choisissez le mode sport dans les petites routes par exemple ou les petits virolos où vous voulez vraiment vous amuser. Le moteur vous le permet et évidemment les suspensions également vous le permettent. Le cardan, lui, se fait vraiment oublier. Tout comme la boîte de vitesse, on est d'ailleurs surpris en passant la première. Heureusement qu'il y a l'affichage au tableau de bord des rapports engagés pour savoir qu'on a bien enclenché la première. Pas de bruit, pas de clang, rien du tout, ni au passage à la première, ni à l'utilisation. On n'est pas loin, voire on y est même, à la boîte de vitesse parfaite. Bien entendu, freinage intégral ABS sur cette version avec le pack safety, donc des disques de 305 mm ici à l'avant. Des étriers 4 pistons, alors qu'on se contentera d'un 265 mm à l'arrière, qui se trouve évidemment du côté cardan.
un des gros avantages de la GS et évidemment d'autres trails également. Vous allez voir la grande polyvalence. Voilà un chemin qui précédemment existait effectivement bien asphalté. Vous allez voir qu'à l'heure actuelle c'est plus vraiment ça, et si vous n'avez pas une moto comme celle-ci, bien au pied, vous ne passerez pas. Je vais suivre ici, avant, c'était bien une route. Bon, essayez ça avec autre chose que GS. Vous avez toutes les chances, vous en foutre autant. Ici, trail obligatoire. Voilà donc cette R1200 GS Rallye de Bemoué qui nous laisse une bien meilleure impression que ce que nous avait laissé la version Adventure. Vous avez ici une moto, qu'elle soit en édition rallye ou pas, qui vous permet évidemment de rouler par tous les temps, tout le temps, peu importe le type de route. On a fait de l'autoroute, on a fait des petits chemins, on a fait des nationales, on a fait également ce type de sentier. Et jamais, jamais cette BMW ne nous a paru en difficulté. Évidemment, pour ceux qui veulent vraiment faire de l'enduro et prendre les tout petits chemins, ça risque peut-être d'être plus délicat. Vous avez quand même sous la selle 229 kg une fois le plein fait. Ce n'est pas forcément la plus légère. Encore plus équipée des valises. Mais elle vous permet évidemment d'avoir une moto pour vous amuser, peu importe la saison. On comprend aussi pourquoi on en voit tellement qui roulent en hiver si on compare par exemple à d'autres types de motos. Avec son réservoir de 20 litres, une consommation qui tourne autour des 5 litres, nous avons établi la nôtre à 5,3 litres, mais évidemment on n'y a pas été vraiment avec le dos de la cuillère comme diraient certains. Elle vous permet évidemment donc de belles sorties, une assez bonne autonomie, et évidemment tout est renseigné sur l'ordinateur de bord qui vous donnera le nombre de kilomètres qui vous reste à parcourir. Alors des valises ici fournies et forcément à la contenance différente, puisque comme vous pouvez le voir côté gauche vous avez l'échappement qui va donc fortement diminuer, vous le verrez sur les photos, la capacité de la valise. Alors système plutôt astucieux ici, voilà, comme vous pouvez le voir ici vous avez quand même pas mal de place. Évidemment pour rentrer un casque ça risque d'être plutôt délicat, mais pour rentrer le reste de votre matériel, pas de problème. Et puis vous avez toujours ici le porte-paquet pour éventuellement mettre ou rajouter un top case. Voilà, c'était Diabolosil sur objectifmoto.com. Donc pour cet essai de la BMW 1200 GS Rallye, une moto qu'on a vraiment appréciée. Maintenant, on sait pourquoi elle a tant de succès dans cette version normale, même si ici c'est une édition
limitée version rallye. Maintenant, on sait pourquoi cette moto est vraiment utilisée et appréciée par beaucoup de motards, notamment ceux qui roulent toute l'année. Une moto qui a beaucoup de qualité. Évidemment, il faut payer le prix. Là, c'est peut-être le problème qui risque de freiner pas mal de monde. Pas loin de 18 000 euros dans cette version complète avec les options qu'on vous a présentées. Mais une moto, évidemment, qui peut rouler toute l'année, en sécurité, partout, peu importe le terrain.